Bon, je suis en phase de testing sur un nouveau produit, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes les premiers à qui j'en parle. Donc euh, d'abord, je vais partir sur une base de flocons d'avoine, d'accord Ensuite, je vais rajouter du thon, euh, sûrement, sûrement du thon à la tomate. Je vais prendre ça, je le mélange, je le mets dans un mixeur. Ça déjà, c'est la première étape. Ensuite, je vais rajouter du sirop d'agave, des fruits rouges. Je remets dans le mixeur encore une deuxième fois. Là, normalement, tu vas obtenir une pâte homogène. Tu peux la rendre encore plus fluide si jamais tu rajoutes des œufs et du lait d'amande. Après ça, tu es prêt à la cuire. Tu mets ça à la poêle et ça va te faire une sorte de crêpe. Et euh, bah après la crêpe, tu peux la garnir soit avec du Nutella, soit avec du tzatziki. C'est vraiment au gré de tes envies. tu veux En fait, tu peux vraiment laisser ton, ton imagination s'exprimer. Voilà, dites-moi si mon idée a du potentiel ou pas. Ah et confession je savais même pas ce que c'était le Tsatsiki, j'ai dit ça pour faire le mec qui s'y connaît. Mais je suis allé voir juste après, donc maintenant je sais. Je sais que vous êtes plein à pas savoir non plus ce que ça veut dire, donc voilà une image. Ça c'est du tsatsiki. Qu'est-ce qu'elle part en couille cette chaîne? Nage bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. Le concept de cette chaîne, c'est qu'à chaque vidéo, je te fais découvrir une nouvelle denrée culinaire. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors pense à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok, la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire fascinante de Chef Pi et de sa sauce qui a complètement fracassé Internet. Chef P est une femme qui vit à Miami et qui avait virtuellement zéro présence sur les réseaux, à savoir qu'il y a encore très peu de temps, elle avait euh, moins de 1000 personnes qui la suivaient. Donc on peut dire 1000 personnes qui parlent en comparaison avec le plus de 200 000 personnes qui la suivent aujourd'hui. Mais qu'a donc fait Chef P pour devenir aussi connue Alors son ascension a commencé d'une façon assez insolite. Tout a commencé au mois de juin de cette année lorsqu'elle a posté une vidéo d'elle en train de manger des chicken wings. Voilà, jusque-là pas de quoi faire la une d'un journal. Bon, hormis le fait que les chicken wings c'est incroyable et que c'est la preuve que la vie est belle. Mais dans cette vidéo il y avait un détail assez notable. Elle trempait ses wings dans une sauce rose fluo. Les gens ont donc commencé à... À commenter pour lui demander ce que c'était. Et je pense que tu connais assez l'algorithme des réseaux pour savoir qu'un post avec beaucoup de commentaires va automatiquement avoir plus de visibilité. Et donc, cette vidéo a explosé. Elle a atteint près d'un million de vues, ce qui pour une personne qui à l'origine avait moins de 1000 abonnés est assez impressionnant. En voyant ça, Chef Pi a fait la seule chose logique à faire dans ce genre de situation. Elle a continué à poster des vidéos avec sa sauce rose. Elle l'utilisait avec toutes sortes d'aliments différents. Elle la mangeait avec tout et n'importe quoi, du sucré et du salé. Du coup, elle a continué à attirer de plus en plus l'attention et les gens ont continué à lui poser plus en plus de questions sur ce que c'était. Bref, les gens devenaient fous. Il y avait des vidéos qui commençaient à sortir, des articles qui commençaient à être écrits. Mais là où elle a été vraiment forte, c'est qu'elle ne répondait jamais aux questions. Elle gardait le mystère sur sa sauce. Puis, une dizaine de jours plus tard, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Chef P a posté une vidéo dans laquelle elle était dans une soirée et faisait goûter la pink sauce à ses amis sauf qu'un détail ici est très important la sauce cette fois était dans une bouteille avec un logo pink dessus laissant donc présager que c'était plus juste un délire tiktok mais bien un produit qui s'apprêtait à être commercialisé et cela a fait qu'intensifier les questions parce que ok au début tu voulais faire un délire perso mais là on voit que tu le mets en bouteille donc que tu t'apprêtes à le produire donc à ce stade c'est juste normal que tu dises ce qu'il y a dedans en fait elle a donc posté une vidéo pour dévoiler les ingrédients qui se trouvent dans la sauce vidéo dans laquelle elle ne dévoile pas les ingrédients qui se trouvent dans la sauce. En parallèle de ça, elle a commencé à annoncer une prévente, toujours sans dévoiler la recette. Les gens ont commencé à se renseigner un peu plus, notamment un détail qui commençait à faire beaucoup de bruit. D'une vidéo à une autre, la sauce n'avait jamais la même couleur. Parfois elle était d'un rose très vif, parfois un rose pâle limite blanc, parfois à mi-chemin entre les deux. Idem pour la texture. Parfois, elle était super épaisse, un peu comme de la maillot. Tu vois, et parfois, elle était super liquide et elle arrivait même pas à rester sur les aliments sur lesquels elle le versait. Donc, du coup, elle finissait avec un bordel blanc-rose sur toute la banquette de la voiture. Toutes ces choses laissant présager que cette sauce était en réalité faite au pif et jamais deux fois de la même manière. Et bref, c'est dans ce contexte assez insolite que trois jours plus tard, c'est-à-dire en tout deux semaines après que la première vidéo ait été postée, le site est enfin dévoilé. Et les commandes sont maintenant possibles. Et alors là, tu dis sûrement qu'avec aussi peu d'infos, avec une communication aussi désastreuse et autant de zones d'ombre, Personne ne va commander cette sauce. Qui, au passage, est affichée à un tarif de 20 dollars. Eh ben, tu te dis mal. Tu te dis mal. La sauce s'est retrouvée en rupture de stock au bout de 48 heures seulement. Elle a fait un véritable carton. Bref, on a donc une success story sous les yeux. Une entrepreneuse du web qui lance un produit innovant. Un produit qu'elle a conçu seule, à la seule force de ses ambitions. Un produit qui va devenir une référence en termes de créativité et de réussite. Ouais ben pas vraiment en fait. Parce que maintenant il est l'heure d'avoir les premiers retours des clients. Et c'est chaud. Bon là on va voir ma capacité de synthétisation en œuvre parce que si je développe sur tout ce qui est parti en sucette, ma vidéo va durer 3 jours. Alors déjà, il a été découvert qu'un des ingrédients principaux de la sauce était du lait. Écoute, jusqu'ici rien de si foufou que ça. Sauf que entre la conception, le stockage dans l'entrepôt, l'envoi, l'escale dans le bureau de poste et la livraison, il se passe entre 10 et 15 jours. 15 jours où la sauce à base de lait est restée sans aucune réfrigération, alors qu'on est dans un des étés les plus chauds de l'histoire. Tout ça pour arriver chez les clients qui ont réalisé stupéfait que la sauce arrivait dans des espèces d'enveloppes non réfrigérées, qui contenaient la précieuse bouteille sur laquelle il était inscrit à conserver au frais. La bouteille était complètement gonflée, ce qui est rarement un bon signe pour un aliment, en général quand c'est gonflé tu peux jeter. Et encore, ceux qui ont reçu leur bouteille gonflée, c'est les chanceux. T'as tous les autres qui ont, eux, tout simplement reçu une bouteille qui avait littéralement explosé. Et de là, tu te dis que les gens, en voyant ça, ils se diraient qu'ils préfèrent se prendre une poêle à frire à bout portant dans le front plutôt que de goûter cette sauce. Non, parce qu'à ce niveau-là, c'est du fear factor. Mais depuis tout à l'heure, on a des retournements de situation, et une fois de plus, l'être humain va nous surprendre. Il y a eu des centaines de vidéos qui sont sorties de gens qui faisaient une dégustation de la sauce. Ensuite, l'étiquette de la bouteille. Même bourré, t'aurais fait mieux. Il y avait des fautes d'orthographe sur plusieurs mots. Il y est également inscrit que dans une bouteille, il y aurait 444 portions. Sachant qu'une portion fait 14 grammes. Donc 444 x 14, j'ai pas mon téléphone sous la main, je te laisse faire le calcul, mais là, c'est plus une bouteille qu'il faudrait, c'est un baril. Bon, forcément, là, ça commence à faire un boucan pas possible. Tout le monde pète un plomb, il y a vidéo après vidéo qui sort. Chef P décide de se défendre en faisant des lives. Et comment te dire T'as déjà connu le genre de personne qui veut se défendre, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il s'enfonce Bah c'est exactement ça. Elle dit par exemple que dans sa sauce, il n'y a pas d'ail et que quiconque ose raconter cette absurdité sera poursuivi. Sauf qu'elle avait juste avant posté une vidéo Making Off où on voit clairement de l'ail. Elle a également répondu à une personne qui lui demandait si son produit était approuvé par la FDA et sa réponse a été qu'elle n'en avait pas besoin parce que son produit n'était pas un médicament. Sachant que FDA veut dire Food and Drug Administration. Food veut dire bouffe. Bref, à chaque apparition, elle passe un peu plus pour une conne et ce dans un crescendo assez bluffant. En parallèle, les retours s'intensifient. Là, on passe de personnes qui trouvent que la bouteille a une sale gueule à des personnes qui se filment à l'hôpital en disant qu'ils ont atterri là après avoir consommé la pink sauce. Même si pour cette dernière information j'ai des réserves, je suis bien trop au courant de ce que les gens sont prêts à faire pour faire des vues, donc ça peut être vrai comme ça peut être faux. Bref, continuons. Je pense que la FDA a pas trop dû kiffer ce qu'elle a dit sur son live, parce qu'ils se sont carrément rendus à son domicile pour lui faire un coucou. À la suite de quoi, la sauce a dû temporairement être retirée de la vente. Non, ce que je viens de dire, c'est le con rigide. La FDA ne va pas chez les gens. Et surtout, ils ne te laissent pas faire un live pendant une entrevue. Et là, par contre, les gens, ils ont capté la supercherie directe. Okay Ça n'a pas duré 3 secondes, et s'est fait cartonner. Enfin, elle s'est encore plus fait cartonner que ce qu'elle se faisait déjà cartonner. Par contre, la dernière partie, elle, elle est vraie. Elle a retiré son produit temporairement de la vente parce que là ça devenait trop gros. Il y allait avoir quelqu'un qui claque d'un moment à l'autre et là ça devenait un autre type de problème. À côté de ça, Chef P, elle, elle voit plus grand. Non contente de s'être ridiculisée dans des lives, elle décide de passer à l'étape supérieure et commence à se ridiculiser sur des plateaux télé. Notamment une émission où elle est mise en face à face avec une rageuse qui avait euh, fait une série de vidéos sur sa sauce. Et la manière dont elle lui parle montre le manque de considération qu'elle a pour ses clients, quand par exemple elle lui explique qu'elle est juste jalouse et que c'est juste qu'elle veut gratter du buzz sur son dos. Bref, un fiasco total, produit retiré de la vente, le monde entier qui est sur ses côtes, sa réputation foutue en l'air. En fait, on assiste vraiment à une descente aux enfers. La carrière de cette femme est complètement anéantie. Là, on peut être sûr et certain qu'elle va jamais se relever de ça. Non, je rigole. Il y a encore un autre détournement de situation. Que, que de péripéties dans cette vidéo, dis donc. Un groupe du nom de Dave's Gourmet, notamment connu pour avoir créé la sauce Insanity, qui a longtemps été connue pour être la sauce la plus piquante au monde, a eu vent de cette histoire. Et ont décidé de s'associer à Chef Pi pour produire la sauce, mais cette fois-ci de façon professionnelle. En gros, elle apporte l'idée. Et ils vont lui apporter les labos, leur expertise, leur réseau de distribution. Et elle l'a donc annoncé sur son compte. Et depuis, elle met en place des vidéos promotionnelles. Et là, tu sens en direct qu'on est passé au niveau supérieur. La qualité de production, le professionnalisme des visuels, fin, là on n'est plus dans un produit fait à l'arrache dans une cuisine. En gros, j'ai envie de te dire que le futur s'annonce vraiment pas dégueulasse pour Chef P. Son produit va sortir à nouveau, elle va profiter du buzz de la première fois et également profiter de l'appui d'un groupe qui est dans ce domaine depuis près de 30 ans. Et donc cette histoire nous apprend deux choses. La première, c'est que les gens sont vraiment prêts à acheter n'importe quoi si ça a amené d'une façon un peu créative. Il a suffi d'une couleur un peu excentrique et une meuf qui voulait pas dire les ingrédients et internet a pété au câble. Le pire, c'est quand même même après que les bouteilles aient été envoyées. Parce qu'au début, on aurait pu se dire « Écoute, peut-être qu'elle va nous surprendre et sortir un produit de qualité. » Mais même en voyant le fiasco en recevant les bouteilles, t'en as quand même qui se sont dit « Eh, on, on va goûter pour pouvoir en faire une vidéo. » La deuxième chose que ça nous apprend, c'est que tout est possible et que tu devrais toujours croire en tes rêves. Parce que si la sœur cachée de Cardi B a pu faire une fortune et s'ouvrir des portes de malades en vendant une sauce qu'elle a fait dans sa cuisine, sans gants et avec des ingrédients approximatifs, en affichant une erreur tous les trois mots dans l'étiquette et la mauvaise taille de portion, et est envoyée en plein milieu d'un des étés les plus chauds de l'histoire alors qu'elle contient du lait. Si elle a pu réussir avec ça, alors tu peux réussir aussi. <laughs> Voilà, c'était ma phrase de motivation du jeudi. Thursday motivation. <laughs> Et on fait avec ce qu'on a. Bon allez, on ferme la boutique, on se reparle demain. La team, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. J'aurais bien dit vous êtes sexy comme la pink sauce, mais sa géométrie variable. Des fois elle est super belle, super rose, des fois on dirait du smecton. Donc ça serait un demi-compliment. Tu vois alors, alors que vous, vous êtes sexy 7 jours sur 7. Oh c'est mignon. Si vous êtes toujours là, commentez Chef Nage, parce que je blaguais pas sur ma recette du début. Si elle a pu sortir cette sauce, moi aussi je veux sortir ma recette. Je vous l'enverrai dans une enveloppe avec des cœurs et un code promo. <laughs> Bref la team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et avoir d'autres idées de recettes pour égayer vos dîners de famille. Et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, ne lâchez rien, prenez soin de vous. Et bien entendu, soyez sexy. Peace. 3, 2, 1, shot It's